Salut tout le monde, c'est Amel Benz, je suis de retour. Excuse-moi pour les 3 mois de rupture et d'absence de YouTube. J'étais très prise par les préparatifs de mariage de ma fille qui s'est mariée fin septembre. Et franchement, cette absence me pesait très lourdement parce que je me sentais mal puisque j'ai perdu l'habitude de faire une vidéo une fois par semaine. Et franchement, cette absence est très douloureuse pour moi. Et je sais que maintenant YouTube fait partie de ma vie et fait partie de mon équilibre personnel et professionnel. Alors donc de retour sur YouTube, donc je pense que j'ai fait de longs préparatifs pour le mariage de ma fille et dans les prochaines vidéos je vous montrerai comment préparer un mariage, un beau mariage et avec très peu de moyens. Et donc c'est très j'ai appris plein de choses dans ces préparatifs, vraiment c'est un travail lourd, c'est un travail qui forme, hein, c'est un travail formateur. Alors aujourd'hui je vais consacrer ma vidéo à mon anniversaire. Donc mon anniversaire, c'est l'anniversaire de mon couple, je fête mes noces de perles. 30 ans de mariage avec le même homme. Je pense que ça se fête, ça devient de plus en plus rare aujourd'hui de voir un couple durer aussi longtemps. En fait, dans cette vidéo, je vais vous donner ma recette personnelle, comment j'ai pu faire durer mon couple et pour quelles raisons, et quels sont les conseils et quelles sont les astuces qui nous permettent de faire durer un couple. Alors, le premier conseil, et selon les statistiques, donc moi je ne l'ai pas dit, c'est que les mariages qui durent, ce sont des mariages des gens qui sont mariés tôt et jeunes. Donc en fait, la première chose à faire, c'est peut-être penser à se marier tôt, ou bien au moins se mettre en couple tôt, pour voir, pour mener la vie à deux. Donc quand j'ai dit jeune, ça veut dire pour la jeune fille et pour le jeune homme, hein, donc c'est pas un mariage avec une jeune fille avec un homme âgé, hein. Donc en fait le couple doit être jeune au départ, et le fait de vivre ensemble, de mener la vie ensemble, de confronter les difficultés ensemble, de grandir ensemble et d'avoir des expériences ensemble, ça joue dans la fusion du couple, et ça joue dans la consolidation du couple. Donc c'est très important. Ensuite, deuxième conseil, c'est surtout la confiance. Donc la confiance, avoir confiance dans son mari, et le mari doit avoir confiance en sa femme. Et c'est très important, la confiance, parce que ça nous permet de vivre dans la sécurité, ça nous permet de vivre sans les soucis. Et surtout, quand on connaît la personne, si elle est droite, elle est irréprochable moralement, pourquoi ne pas lui donner à sa propre, donc à toute la confiance. Donc moi dans mon cas, franchement, ce qui a fait prospérer mon couple, c'est la confiance mutuelle. C'est très important, et bien sûr il y a tellement de confiance entre mon mari et moi que je n'ai jamais rendu compte de mes actes, ou bien jamais raconté ma journée, comment j'ai passé ma journée à mon mari, parce qu'il me fait tellement confiance qu'il me raconte il me demande même pas comment j'ai passé ma journée. Donc il sait bien que ma vie, c'est entre le travail et la maison. Ensuite, troisième conseil, c'est surtout être une très bonne femme d'intérieur. Donc en fait, c'est vrai, lorsqu'on se marie jeune, on va apprendre la cuisine, on va apprendre à bien prendre soin de sa maison, de chez soi. Donc c'est très important. Donc en fait, c'est troisième conseil, c'est être une femme d'intérieur, une très bonne femme d'intérieur. Donc en fait, savoir faire la cuisine, savoir varier les recettes, savoir prendre soin de sa maison, savoir faire le ménage, être propre. Donc ça, c'est très important, ça joue dans le bonheur du mari. C'est important d'avoir une femme qui sait bien faire la cuisine. Et bien sûr, quand je me suis mariée jeune, je ne savais pas faire la cuisine, moi je l'ai appris sur le tas. Et c'est ça en fait l'intérêt de se marier jeune, ça veut dire qu'on est confronté à ses propres responsabilités de femme,
et on apprend à faire la cuisine et bien sûr à varier les recettes, et ça fait plaisir au mari, aussi bien au mari qu'aux enfants. Donc en fait, je pense que mon troisième secret, c'est être une femme d'intérieur, et ça aussi, ça devient de plus en plus rare, hein. Donc c'est vrai que j'ai essayé d'équilibrer ma vie de femme d'intérieur et ma vie de ma vie professionnelle. En tout cas, c'est que ma vie professionnelle ne peut pas prendre le pas sur ma vie familiale, et ma vie familiale ne peut pas donc déranger ma vie professionnelle. Donc en fait, c'est trouver l'équilibre entre ces deux. Donc c'est la vie familiale et la vie professionnelle, c'est très très important. Donc je pense que ça fait partie aussi des secrets, comment réussir son couple et ne pas laisser sa vie professionnelle envahir sa vie de couple et sa vie familiale. Puis mon quatrième secret, c'est surtout la bonne humeur. Donc la bonne humeur est très très importante chez une femme, parce que le mari, lorsqu'il rentre fatigué, bien sûr, s'il trouve une femme en dépression, une femme qui cherche des problèmes, qui cherche à se disputer, bien sûr ça c'est très lourd à gérer, et c'est pas évident. Et surtout vivre dans l'euphémisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait il y a beaucoup de choses qui sont graves dans à la maison, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie qui sont très graves. On a des crises financières, on a des problèmes avec les enfants, mais il faut toujours prendre les choses de manière positive. Ça veut dire voir le verre à moitié plein. Par exemple, je vous raconte des anecdotes, une coupure d'électricité parce que le mari n'a pas pu payer à temps les factures, ben, il ne faut pas dramatiser. Donc c'est vrai, il y a une coupure d'électricité, on va être privé de la télé, on va être privé d'internet, on va priver plein de choses, mais c'est pas une raison pour déprimer, pour une grande dispute familiale. Donc ça pourrit la vie des enfants, ça pourrit la vie des jeunes, enfin la vie des adolescents. Et du coup la patience, donc un peu de patience, et donc on gère. Donc c'est vrai que le mari peut passer par des crises financières, ça arrive à tout le monde. Donc en fait, ce sont des choses qui font partie de la vie, et c'est pas les femmes, souvent les femmes dépriment à cause de ça, mais il faut pas. Donc je pense que ce sont des crises passagères. Et en fait, c'est la bonne humeur, c'est surtout la joie de vivre, faire des blagues, rigoler de tout et de rien, rire de tout et de rien, c'est très important. Ça allège la vie familiale, ça fait oublier les lourdes responsabilités, et c'est très très important. Donc je pense que avoir cette bonne humeur, c'est avoir cette légèreté, ce tempérament propice au bonheur, est très très important dans la vie de couple. Et surtout lorsque le mari est de caractère différent, d'un caractère plutôt plus mélancolique, et la femme qui cherche plutôt la bonne humeur, ça se complète. Donc à mon avis, si on se trouve avec un couple, tous les deux sont mélancoliques, donc ça risque d'avoir des heurts et des problèmes internes. Ensuite, le cinquième conseil, c'est surtout se partager équitablement les tâches et les responsabilités. C'est très important. Moi, de ma vie de femme mariée, je me suis jamais occupée de payer une facture ou bien. Donc en fait, il y a des factures qui sont pour le mari, des factures qui sont pour la femme. Donc se partager les responsabilités de manière équitable. Et surtout, c'est très important, parce que si les responsabilités sont, s'il y a plus de responsabilités pour la femme que pour l'homme, ben, bien sûr, la femme va vivre très mal cela. En plus, l'éducation des enfants, en plus, les grossesses et tout ce qui est en rapport avec la vie de femme. Je pense que quand même l'homme, le mari, doit quand même avoir plus de responsabilités. Enfin, équitablement, d'accord, mais il peut avoir plus de responsabilités que la femme, puisque la femme quand même elle partage d'autres responsabilités très lourdes, des tâches naturelles mais qui sont très lourdes, la grossesse, donc l'accouchement, l'éducation des enfants, ce sont des tâches très très lourdes, et normalement le mari doit avoir des responsabilités plus à l'extérieur, et surtout s'occuper de tout ce qui est financier, tout ce qui est facture, c'est très très important.
Et je pense que j'ai oublié quand même l'essentiel. J'ai oublié l'essentiel de vous dire que le secret le plus profond, le plus basique, c'est surtout quand même c'est la vie amoureuse. Donc la vie amoureuse, il faut qu'elle soit qu'elle dure. Il faut toujours entretenir cette attirance physique dans le couple, parce que si vous perdez cette attirance physique, ça va poser problème pour la cohésion, pour la cohésion du couple et la relation fusionnelle du couple. Donc en fait, c'est à la femme de renouveler sa vie amoureuse, de varier, de chercher à la variété, de chercher à renouveler, de chercher à mettre du zeste dans sa vie amoureuse, puisqu'elle dure très très longtemps. Du coup, il faut quand même chercher des astuces, chercher en fait savoir plaire à son mari, donc savoir plaire à son homme, mais de manière différente, de manière qui vont avec le temps, avec la mode, de manière qui va avec la mode. C'est du coup en fait, comment je peux dire, moi je peux pas vous être plus explicite, c'est renouveler sa vie amoureuse, ça veut dire l'entretenir et la faire vivre de manière intense. Voilà, donc en fait c'est le secret, bien sûr, que j'ai oublié de vous le dire, mais qui est essentiel. Donc j'espère que je vous ai donné le maximum de conseils et ma recette personnelle pour faire durer mon couple. Alors, comme je vous ai dit, il y a le rôle de la femme, donc la femme elle doit être très active dans son couple. Il y a aussi l'homme, donc l'homme, comme je vous ai dit, moi mon homme il est plutôt de l'ancienne génération, il a le sens de la responsabilité, il veut prendre en charge tout. Donc du coup moi je me sens un peu reposée, je me repose sur mes lauriers, et ça jouait dans la durée du couple, hein, donc c'est très important. Donc en fait il y a des tâches, il y a des rôles, donc l'homme et la femme sont complémentaires. Pour qu'ils sont complémentaires, ça peut durer le couple, faire durer le couple très très longtemps. Mais s'il y a un déséquilibre entre la femme et l'homme, notamment dans leur rôle et dans la répartition des tâches et des responsabilités, bien sûr ça peut générer des clashs et un déséquilibre et surtout la séparation, malheureusement. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné le maximum de conseils et que je vous ai donné quelque chose de plus, que j'ai rajouté quelque chose de plus à ce que vous savez sur la vie de couple. Et voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec Amel Benz Chanel. Et n'oublie pas de vous abonner, n'oublie pas de liker et de partager si ça vous plaît.